La station Riga n'était que le premier arrêt de mon voyage. Mais la caravane n'a pas continué. Alors, avant de nous séparer, nous avons bu à notre survie. La vodka ne m'avait pas ôté la peur de me rendre seul à police. Mais j'étais sur le point de trouver un partenaire aussi inattendu que célèbre. Bon, les gars, trinquons à la santé de notre ami Artyom, qui se fiche des monstres et phénomènes du genre. Artyom ! À toi, grand ! Franchement, sans toi, Artyom, on aurait été littéralement déchiqueté. Tu mérites une médaille. Ou au moins des munitions. Tiens, prends-les. À toi, Artyom ! Artyom, à la tienne! Artyom, t'es vraiment immunisé contre ça? Voyons si cette vodka le met KO. Ok, on va vérifier ça. À notre bonne étoile! Tout et contre... Artyom! À toi! Elle tape, cette vodka! Allez, raconte. Tu l'aides vers le marché est fermé et je m'ennuie à mourir à rester planté là. On a franchi une sorte d'onde invisible. On s'est tous évanouis. J'ai mes droits! Laissez-moi sortir de la station! Qu'est-ce que ça peut vous faire si je vis ou meurs? Tiens, lui, il allait bien. Je m'en comme fiche, si ce tunnel. Mais j'ai des ordres. Alors il tire. Allez, c'est toi, Artyom? Hey, y a un homme là-bas qui t'attend. Il est du genre qui fait peur, et il sent pas bon non plus. Je t'y conduirai en échange d'une balle. Merci. On y va! C'est celui qui est assis là-bas. Bon, j'y vais. Salut. Approche. C'est donc toi, Artyom. Assieds-toi. On m'appelle Bourbon. Écoute, je dois aller à la station Harit pour... affaire. Mestroara est fermé. Mais je connais un chemin. Un passage maudit que les habitants ont peur d'emprunter. Mais il paraît que ce qui se passe dans les tunnels ne t'affecte pas. Donc, tu m'aides à rejoindre Harid, et je te donne mon calache une fois là-bas. Entendu? Bon. Voici une avance, au cas où t'aurais besoin d'un peu d'équipement. T'es prêt? Inutile de rester dans ce trou. Ne traîne pas. Thank you.
Donne-moi quelques balles, pitié. Une balle pour manger. Merci. Medipack, filtre, couteau, tout ce dont vous avez besoin pour voyager en zone dangereuse. Rock de balle, les meilleurs tarifs de tout le métro. Wow, t'es vraiment arrivé ici sur une drésine? Oh, j'aimerais bien essayer ce truc. Tu me donnes une balle? Ne traîne pas. Ne traîne pas. T'es où ? En entrant dans le tunnel abandonné avec Bourbon, je me demandais si j'avais eu raison de lui faire confiance. Mais les portes de la ville étant toujours condamnées, c'était peut-être ma dernière chance de quitter Riga. Enfin, on est libre. Ouvre l'œil, le tour en Drésine est terminé. Beaucoup d'hommes sont morts dans ces tunnels. Mais si on reste sur nos gardes, on y arrivera. Ah, c'est qu'un simple rôdeur. Il attaque rarement les groupes. Mais si t'es seul, méfie-toi. Étrange ces bruits. Soit ça vient du sol, soit c'est le vent. J'ai entendu parler de tuyaux qui chantent. On dit que si t'écoutes suffisamment longtemps, tu peux entendre les voix des morts. Quelle connerie.
caravane. Ils sont tous morts. Cette façon de faire, c'est les bandits. Et Hanza qui se targue de les avoir éliminés, hein. Reste sur tes gardes. Ils vont pas nous laisser passer comme ça. Système d'alarme. Sommaire, mais assez efficace. Si tu veux arriver discrètement, évite de toucher les boîtes de conserve. Attention où tu mets les pieds. Le moindre bruit te trahira. Oula ! Un fil de détente. Idéal pour se débarrasser des aveugles et des casse-cou. Tu saisis ? Cache-toi dans ce coin et admire le talent d'oncle Bourbon. Ça leur apprendra. Tu peux prendre le couteau comme trophée et me suivre. Vite! Ils se sont barricadés. Merde. Il faut qu'on approche. Tu peux te charger de la patrouille. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il y a personne. Un fantôme peut-être. C'est ce qu'on raconte. Je te le dis, c'est trop facile. Ce groupe voulait faire des économies et a pas engagé de garde arrière. Quelle bande d'abrutis! On en a eu quelques-uns et les autres se sont tirés. On attendait dans un tunnel secondaire pour leur tomber dessus. Les choper comme des cochons. Ah, pas de cochons, ça me donne faim. Et le butin? Pas terrible. Seulement 5 pistolets et quelques balles. Y'a un truc, personne! Ces nazes transportés surtout des vêtements et des champignons. Ou quelque chose. Pas de la camelote. Et c'était qui avec toi? Le maître de la caravane. Le patron est prêt à payer une rançon pour lui. Genre, son poids en balle. Voilà, va. Moi, je lui aurais fait sa peau.
Silence! Ça a l'air calme. Grenade! Attention! Notre accrochage avec les bandits était terminé. J'attendais plutôt des mutants et des monstres. Combien d'autres humains allaient encore vouloir me tuer avant que j'atteigne police? Le pont est un endroit dangereux, alors voici le plan. Je te couvre et tu gardes un œil sur moi. Si on reste ensemble, on y arrivera. Mais ne joue pas au héros, petit, je suis pas d'humeur à me faire tuer aujourd'hui. Je suis ici, saloperie.
Waouh, sacrée balade! Ugh!